L'habit ne fait pas le moine. Chers amis, bonjour et bienvenue à chacun et à chacune. Et oui, comment vas-tu ce matin? Oui, ça va bien, Jeff. Merci, hein, Karan. Oui, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et aussi à ceux qui sont sur le plateau ce matin. Nous avons Karia. Bienvenue, Karia. Merci, Seigneur, pour ce moment. Et content d'être là. Bonjour, ça Allez. va? Ah, bienvenue, Plaisir de bienvenue. participer avec vous. Eh bien, on est content de t'avoir avec nous aussi ce matin. Hanaï, comment vas-tu? Je vais très bien, je suis contente de vous retrouver, ça fait tellement longtemps. Bonjour tout le monde et aussi tous ceux qui nous écoutent ce matin. Alors, Et parmi, tu, quoi ce oui, matin? très bien, je suis content aussi de vous retrouver. Et puis, merci Seigneur, la famille, l'équipe s'agrandit. Et puis voilà, que nous puissions ensemble aller de l'avant. Voilà, que Dieu nous bénisse. Avant de commencer, Fanny, peux-tu nous unir dans la prière? Éternel notre Dieu, merci encore Seigneur pour cette nouvelle journée qui commence, cette journée de vendredi, dernier jour de la semaine. Et Père, nous venons à toi encore une fois pour te remercier déjà pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées durant cette semaine. Et nous voici arrivés presque au terme et nous te demandons encore une fois de nous accompagner, de nous guider, de remplir de ton esprit alors que nous avons commencé cette méditation et que tu puisses encore une fois nous inspirer à travers ce que nous allons dire, partager. Discuter, Seigneur, et que cela puisse nous enrichir, puisse nous fortifier encore une fois pour vivre cette nouvelle journée avec toi. Bénis chacun de nous et toutes les personnes qui nous écoutent, Seigneur, nos auditeurs, auditrices. Bénis-les, Seigneur, et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu cette expression, l'habit ne fait pas le moine? Une réaction? Vous avez déjà entendu cette expression ou pas? Parce que j'ai Oui, posé je me la question rappelle qu'on ce avait fait. matin. Oui, je me rappelle qu'on avait fait une émission aussi là-dessus. Hein, le thème, je pense que c'était justement par rapport à ça. La vie ne fait pas le moine. Et je me rappelle qu'on disait que l'expression voulait dire en fait, faut pas se fier aux apparences, quoi. Ici, si je me trompe. Exactement, c'était exactement dans cette orientation que je voulais qu'on se lance ce matin et comme première approche, se poser la question finalement, comment s'habiller correctement? Est-ce que l'un de vous peut nous lire le verset sur lequel nous avons appuyé notre élection, notre discussion ce matin? Moi, je veux Vas-y, bien. Anne-Marie. Donc, Proverbe 31, verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Voilà le Oui, un verset verset. d'aujourd'hui. Merci. Tiré du texte des Proverbes, le dernier chapitre, qui est souvent associé aux femmes qui sont nées pendant cette période-là. Mais la première question que j'aimerais nous orienter, c'est celle-ci. Qui se cache derrière cette elle? Visiblement, elle sait ce qu'elle veut. Mais c'est un peu peut-être difficile pour nous parce que nous avons d'une part pas de neige ici, mais nous avons tous été confrontés à un moment donné avec la vision de la neige. Théoui, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Qui se cache derrière cette aile? Oui, merci Jeff. Quand on lit le chapitre 31, hein, le verset 21, juste pour rappeler, hein, pour ceux qui nous écoutent ce matin, hein, parce qu'il y en a qui nous ont demandé des références ce matin, donc je répète la référence, Proverbe 31, verset 21. Donc, dans le chapitre 31, on nous parle en fait d'une femme et d'une femme vertueuse. Hein. Et cette femme, en fait, on va dire c'est la femme idéale parce que c'est une maman qui prend soin de son foyer, qui prévoit, qui anticipe, qui est travailleuse. Et là, dans ce verset, on nous dit en plus qu'elle ne craint pas la neige pour sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle ne se plie pas, c'est une travailleuse. Toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle sait même, elle sait coudre,
elle sait faire du linge pour ses enfants, sa famille. Donc, c'est vraiment une maman super et une épouse idéale, quoi, on va dire. Parmi nous, nous avons la chance d'avoir deux filles. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ce verset? Moi, j'ai une question. Je ne sais pas c'est quoi le cramoisi, c'est genre le charbon et tout. Ah, c'est une question intéressante. Fanou, est-ce que tu peux rebondir sur cette question? Oui, exactement. Lorsqu'on lit bien le verset 21, c'est ça, hein? Alors, le verset 21 dit « Car toute sa maison est vêtue de cramoisi ». Et le cramoisi, ici, juste deux secondes, je n'avais pas aussi fait attention, c'était l'écarlate. En réalité, l'insecte, voilà, ça, c'est la couleur en fait, de l'écarlate, en fait, hein? Une matière colorante de laquelle est extraite une teinture pour teindre des tissus. En fait, ce sont des vêtements en fait, qu'on utilisait à l'époque de cramoisi qui étaient assez épais, en fait, hein? Pour se couvrir du froid, contre le froid. Dans ce verset, on parle du froid, hein? Voilà un peu, Kaya. OK. Donc, ouais, vas-y. Ben, en fait, cette maman-là, elle était aux petits soins de sa maison, enfin de sa famille. C'est ça. Oui. Elle avait une famille ou elle était seule? Ben, quand nous lisons le texte, on nous dit ici, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Donc, c'est quelqu'un qui visiblement prend ses dispositions parce que la neige est quelque chose qui est. Il y a Grèce quand même, où la température est à des niveaux très bas et si on ne fait rien pour se protéger dans ce sens-là. Avec Fanoui, on a eu le loisir de plonger dans la neige, de pouvoir s'amuser avec. Certains glissent sur la neige, mais cet outil qui peut être magique et nous faire du bien parce qu'on veut s'amuser peut aussi être un sujet dramatique pour celui qui tombe dedans et qui n'est pas préparé pour affronter le grand froid. Et il y a malheureusement suffisamment de cas quand on a entendu parler des glissements, des pans de neige, des avalanches et des gens qui sont sortis un peu des pistes sécurisées se retrouvent ensevelis sous la neige et malgré un équipement qui est fait pour, mais ça tient un certain temps, mais pas tout le temps et malheureusement, il y a des gens qui en meurent. J'aimerais orienter notre discussion dans le sens de cette dame qui visiblement prend soin, prend ses dispositions pour sa maison, qui est une bonne chose. J'aimerais vous poser la question à tous, hein, dans la gestion de la maison, quelle image finalement avez-vous retenue de votre maman dans la gestion de la maison pour le bien-être, le confort de la famille? Moi, si je peux répondre à cette question, hein, juste avant de répondre à cette question, dans le texte, en fait, dans tout le chapitre 31 de Proverbes, dans la Bible, en fait, on nous parle d'une maman et d'une épouse. Hein. Le titre, c'est « Une femme de valeur ». Voilà. Donc, c'est juste ce que je voulais dire par rapport au verset. Et pour répondre à ta question, ben, avec ma maman, on avait l'habitude que ça soit toujours propre, bien rangé, les choses à sa place. Et quand on revenait de l'école, ben, il fallait enlever nos savates, aller se nettoyer le visage et surtout ne toucher à rien du tout. Parce que si jamais on touchait et elle pouvait s'en aller et revenir, elle va savoir qu'il y a quelque chose qui a bougé dans la maison. Elle sait qu'on a touché là ou là. Et voilà un peu ce que j'ai gardé de ma maman. Et aujourd'hui, ben, je le refais encore avec mon mari dans notre maison. Je ne sais pas si Maouna t'a entendu le message subliminal, évite de te ranger. Hein. Kahaya, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus avec cette expérience que tu as eue peut-être avec maman ou mamie, je ne sais pas. Ouais, en fait, même avec les tantes, les mamies, les cousines aussi qui viennent à la maison, quand ils voient que la maison n'est pas très agréable à voir, ben, c'est pas très accueillant la maison, du coup, même par rapport aux vêtements qu'on accueille les gens, faut pas porter de pareo parce qu'on voit presque tout. Ou sinon, faut bien s'habiller, quoi. Même quand on va au restaurant ou partout où on va, faut montrer une belle image, quoi. Mais toujours, que ça soit, comment tu as dit la question là? Correct. Donc voilà, simple aussi. Théhoui, avec un peu plus de recul, tu as encore des bons enseignements qui te restent de ta maman, je suppose.
Oui, plein de choses, hein. Bon, je vois ma maman qui se lève très tôt. C'est ma maman qui elle a eu 5 garçons et 3 filles. Donc, c'était presque une colonie qu'elle avait à la maison. Donc, il fallait gérer tout ça. Et c'était super. Avec les frères, on s'amusait bien. Mais il y avait aussi des temps où on était repris par notre maman parce qu'il fallait, il y avait des tâches à faire, des tâches ménagères. Et voilà, il fallait participer en fait. Mais voilà, ce que je retiens de ma maman, c'est quelqu'un de très travailleuse et qui nous a inculqué aussi ça, et je remercie ma maman pour ça. Merci Seigneur. Amen. Anoui? Oui, par rapport à ma mère, je dirais aussi la même chose. Hein. Voilà, ce que j'ai reçu d'elle, c'est vraiment par rapport à cette éducation à tenir la maison. Hein. Bon, alors moi, pour mon expérience personnelle, dès que je rentrais de l'école, la première chose que je faisais, c'était ranger la maison. Ranger la maison, balayer. Et puis, dès que tout est propre, ça y est, je peux aller faire du sport, je peux faire ce que je voulais, je peux aller voir mes amis. Hein. Et je pense que c'est cette discipline aussi que nous avons besoin d'acquérir et d'important aussi pour nos jeunes, parce que comme tu disais, Anaë, c'est ce qu'on a reçu dans notre foyer, c'est ce qu'on va apporter dans notre nouveau foyer lorsqu'on va avoir notre mari ou notre femme. Hein. Et c'est important d'acquérir toutes ces bonnes habitudes. Hein. Parce que si on n'a pas acquis, on ne saura pas apparaître par magie, malheureusement, dans le foyer que nous allons former. Hein. Oui, Anaë. Oui, juste par rapport aux vêtements, hein, enfin, Carré a parlé des vêtements et tout, de ce qu'on dégage par rapport à la manière de se vêtir. On va venir là-dessus plus tard, hein, mais on Ah, reste ok, il encore n'y a dans pas de le souci. contexte de la maman, de ce qu'on a reçu comme éducation. On va revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, Fanny, tu avais fini avec ta maman? Voilà, non, je disais juste qu'elle m'a beaucoup appris par rapport à tenir la maison et puis. Voilà, c'est vraiment bien. Je le remercie en tout cas. Si elle m'écoute, merci hein, pour tous ces enseignements. C'est son exemple aussi au niveau de la méditation. Moi, je pense que je sors un peu du sujet, mais au niveau aussi de la méditation, tous les matins, je voyais tous les soirs aussi elle priait. Et moi, ça m'a marqué. Hein. Je me suis dit, enfin, quand j'étais dans le besoin, c'est là que je me suis dit, et si, je vais essayer, je vais voir si ça marche. Et ça marche. Hein. Donc, merci pour ces exemples. Hein. Merci pour ce détail-là. Tu disais merci parce que maman est encore en vie là. C'est plus le cas pour moi parce que moi, ma maman, ça fait longtemps qu'elle dort maintenant. Mais ce que je retiens de cette femme-là, c'est quelqu'un qui était bosseur et on la voyait quasiment jamais. Imaginez, on habite Togo. Elle prend le truck à 1 h du matin. Elle vient en ville. Elle arrive le soir. Il est déjà 8 h du soir. Donc, on la voit quasiment jamais. Et le seul jour où on peut vraiment être avec elle, c'est le sabbat quand on va à la messe ensemble et le dimanche pour nettoyer un peu tout. Mais elle nous a appris ces valeurs qui, comme vous l'avez tous dit, hein, qui nous restent et puis qui nous collent à la peau parce que c'est des bons enseignements. Voilà ce qu'elle me disait. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est obligé d'être sale. Donc, la maison, elle était quasiment propre tout le temps. Le jardin était propre. Et on savait qu'avec mes 3 frères, que maman, quand elle revenait, elle était fatiguée. Alors, on faisait tout pour que la maison soit nickel, pour que le mât soit fait, pour que le jardin soit vraiment propre, surtout le vendredi soir, de telle sorte que quand elle arrive, parce qu'elle nous disait quelque chose, quand elle arrive, elle est très fatiguée, elle voit la maison en ordre et bien rangée et que le couvert est mis. Eh bien, pour elle, c'est une grosse fatigue qui s'en va. Donc, pour nos jeunes, peut-être qui nous écoutent ce matin, sachez que quand vous participez, quand vous contribuez à la propreté de la maison, eh bien, c'est un grand bol d'oxygène que vous donnez à vos parents. Maintenant, pour continuer plus loin dans notre discussion ô combien intéressante, et je veux croire que ceux et celles qui nous écoutent à travers les moyens médias, se remémorent peut-être ces enseignements. Il faut se rappeler, il faut enseigner nos enfants, il faut donner des bases et des valeurs. Ma prochaine question va être, nous avons peut-être vécu des expériences où on connaît la situation financière difficile des parents, mais on aimerait quand même avoir un vêtement de marque. Comment concilier les deux? Est-ce que vous avez vécu ces expériences-là personnellement? Parce qu'on est tous d'un milieu social un peu plus bas. Tehuyeri, il a l'apparence d'être un Suisse riche, mais c'est un enfant aussi de Tshopo qui a vécu une vie modeste. Est-ce que vous avez été confronté à ça, ces parents qui avaient des situations difficiles, les enfants, ils veulent quelque chose, et vous, peut-être, vous avez désiré
des produits de marque, mais sans vraiment considérer le pouvoir d'achat des parents. C'est oui? Oui, vas-y, Kaya. Ben, pour moi, quand on voyait des habits qu'on ne pouvait pas se permettre, du coup, ben, on se contente de ce qu'on a. Voilà. C'est bien, ça. Sans plus, sans casser les pieds de maman. Ouais, voilà. Pour ma part, hein, on était cinq, comme je disais. Hein, cinq, enfin, je n'ai pas vraiment vu mes soeurs grandir parce qu'après, je me suis marié. Donc, quand on était avec mes frères, quand il y avait un nouveau short à la maison, eh bien, en fait, comme il y en avait qui étaient au collège, il y en avait qui étaient encore à l'école primaire, donc on se passait en fait le linge, quoi. Hein. Moi, je mets ça aujourd'hui. Après, une fois que l'autre frère nous rejoint au collège, bon, allez, on se partage plus le linge parce que voilà, sinon on va voir, hey, vous avez le même short, etc. C'était un peu notre moyen parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir autant de linge de marque. Mais dès qu'on en avait, ben, c'était vraiment un plaisir, quoi. C'était top. Ouais. Anna, qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, ben, moi, on a rencontré aussi ce souci avec mes petits frères. Hein. C'est juste la différence, c'est que ma maman, c'était quelqu'un qui s'habillait simplement, quoi. Hein. C'est vraiment short tricot, collant tricot, du coup. En grandissant, j'ai commencé à m'habiller comme ça aussi. Et bon, après, on fait nos choix hein, quand on grandit. Et par rapport à ce que Théo disait, où il se passe les tricots et tout comme ça, ben, figurez-vous que moi, je vis la même chose avec mes petits frères. Hein, et même des fois, ils nous disent « Hey, arrête d'aller chez nos tricots, nos linges, laisse-nous tranquille. » Et je sais pas, c'est tellement agréable d'être habillée simplement. Et surtout des choses qui ne collent pas. En tout cas, moi, j'aime les choses un peu grandes, quoi, hein, plus grandes que moi. Voilà. C'est ça. Fanoui? Oui, alors bon, par rapport à mon expérience, je dirais que moi, j'ai pas beaucoup de frères et sœurs. J'ai eu un frère, mais 10 ans après. Et du coup, j'étais pendant longtemps, on va dire, fils unique pendant 10 ans. Hein, et je remercie Dieu. Enfin, je remercie Dieu parce que je n'ai pas vraiment vécu dans ce manque, on va dire, j'avais ce qu'il fallait, hein, et ça, c'est grâce à Dieu. Hein. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que quand même, j'ai vécu quand même une expérience qui m'apporte encore aujourd'hui. C'est lorsque je suis allé travailler avec mon père dans le jardin. Et là, je me suis rendu compte, en fait, de la valeur des choses. Je me suis rendu compte, waouh, il faut travailler tout ça pour avoir... 5 000, yeah. Je me suis dit, un shot, ça coûte que 5 000. Je me suis dit, attends, là, je me suis dit, yeah. Ah oui, là, je me suis rendu compte en fait, de la valeur, hein, de la valeur des choses, de 1 000 francs, ce qu'il faut pour avoir 1 000 francs. Hein. Ben, voilà, juste un encouragement pour les jeunes, si vous avez l'occasion d'aller travailler, voilà, n'hésitez pas à le faire parce que voilà, ça vous apportera beaucoup. Hein. Et puis, on verra, voilà, ce que je peux dire par rapport à la valeur des choses. J'aime bien cette remarque que tu fais, Fanoui, parce que ça nous ramène à cette réalité, parce que autour de nous, il y a certainement des jeunes, des fois, ils veulent quelque chose. Et moi, je me rappelle de ma mère, elle était simple femme de ménage, donc on était 3 garçons à la maison. Et quand il y a un qui voulait un produit de marque, on n'était pas conscient que le short qu'on demandait à notre mère, mais c'était quasiment sa paye de la semaine, quoi. Mais ce que je trouve extraordinaire, et je me demande comment elle fait ma maman, parce que ben, à un moment donné ou à un autre, on reçoit quand même ces vêtements qu'on a réclamés, pas tout de suite, pas dans la quantité qu'on veut, mais elle nous a appris que en travaillant, on peut acquérir des choses, et cette notion de valeur-là, ben, c'est intéressant parce que quand, comme Fanoui le dit, on a transpiré pendant 8 heures, voire une semaine pour avoir de quoi payer un short, mais on réfléchit à 2 fois avant de se lancer dans ce délire, parce que souvent, on est détaché de la réalité de la valeur des choses. Sinon, parlant de monde, les filles, quelles peuvent être les pièges de la monde? Parce que souvent, nos jeunes sont entraînés par « je veux ci, je veux cela », et je loue le Seigneur parce que on a 2 filles complètement modestes aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas autour de nous. Il y a beaucoup qui sont à l'affût de la dernière marque, de la dernière nouveauté. Quels sont les pièges qu'il faudrait éviter quand on est dans cet élan? Hanahei, tu veux dire quelque chose?
Oui, en fait, je voulais dire que enfin, le gros souci qu'on retrouve aujourd'hui, ben, c'est voilà, c'est la manière de s'habiller. Parfois, on nous reproche que c'est trop sexy, c'est trop collé, c'est trop. On voit tout. Et bien souvent, ben, c'est vrai, en fait. Hein, je reprends ce que Carré a dit au début. Il y a une manière de s'habiller. On dégage quelque chose par notre manière de nous habiller. Et moi, j'ai juste une expérience à vous partager. Hein. J'ai de la chance d'avoir encore mon papy aujourd'hui. Et je le remercie d'ailleurs pour tout ce qu'il nous a appris. Il fut une période, en fait, dans mon adolescence, parce que je suis toujours jeune, mais dans mon adolescence où ben, je m'habillais vraiment pas comme aujourd'hui, en tout cas. Je pouvais mettre des robes. Qu'il ne fallait pas pour aller au Pereira. Et mon papy, en fait, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui observe d'abord, mais voilà, quand il te parle, c'est vraiment pour te dire quelque chose qui va te marquer à vie. Et voilà, durant cette période, ben, je me suis habillée comme je voulais. Je mettais même des talons. Hein. Si certains m'ont vu en talons, ben, voilà, c'est une expérience parmi tant d'autres. Hein. Et un jour, en fait, il s'est rapproché de moi alors que j'étais dans l'assemblée, tout comme tout le monde, normal. Et il me fait, est-ce que tu penses que si Dieu était face à toi aujourd'hui, si Dieu était face à toi aujourd'hui, eh ben, il serait content de la manière dont tu te présentes à lui. Et il a continué en me disant, est-ce que tu penses que papa aurait été fier de toi? Voilà, moi, ça m'a quand même touchée. Je sais pas, peut-être certains ne vont pas être touchés par ça, mais c'est vraiment des paroles qui m'ont marquée à vie. Et à partir de ce moment, eh bien, j'ai décidé d'arrêter les talons, d'arrêter les robes trop moulantes. Et c'est là que j'ai compris, en fait, qu'il fallait faire attention à sa manière d'être d'abord pour Dieu, être présentable pour Dieu. Voilà ce que je peux dire un peu. Alors, Fanny, toi, avec un peu plus de maturité, quels peuvent être les pièges à éviter de l'amende? Oui, merci Jeff. Alors par rapport à l'amende, hein, c'est vrai que voilà, par rapport à l'amende, bon, je vois plein de choses. Hein, je vois non seulement les vêtements, hein, je vois seulement la manière de s'habiller, de se présenter, mais je vois aussi par rapport à la consommation, hein, par exemple, le téléphone, hein, toujours avoir le dernier iPhone, toujours avoir le dernier Samsung. Bref, ça c'est un effet de mode, hein, parce qu'on veut être toujours, voilà, La être pointe. pareil que les autres, hein, être à la pointe. Et quel est le danger de cela? Ben, je me rappelle, il y a pas si longtemps de cela, je pense, il y a eu quelqu'un, il y a eu une agression sur une personne, en fait, juste parce qu'on voulait avoir son téléphone. Une personne qui a été vraiment, vraiment tabassée, hein, juste parce que, voilà, c'était des jeunes, je pense, qui étaient, on va dire, qui n'avaient pas de téléphone, qui étaient dans la précarité, ben, parce qu'ils ont vu quelqu'un avancer avec un super téléphone, ben, ils sont jetés sur lui pour avoir ce pour voler son téléphone. Et je me suis dit, quels sont les dangers? Ben, c'est d'attirer la convoitise, hein, d'attirer la convoitise des autres personnes. Non seulement convoitise matérielle, mais aussi convoitise de la chair. Hein. Par exemple, imaginez un peu, je me promène de torse nu. Hein. Enfin, quelqu'un d'autre plus musclé que moi, il y en a plein. Il y en a plein qui se promène torse nu. Ben, forcément, ça attire les regards. Une fille qui se promène, voilà, je sais pas moi, avec un truc super cool, ben, voilà, ça attire les regards. Quels sont les dangers de la mode? Ben, il y a de la mode, c'est ça, c'est de montrer son corps, c'est de montrer. Hein. Ben, les dangers, c'est d'attirer, je dirais, la convoitise. Hein. Alors, ça m'amène à l'autre question, puisqu'on s'est étalé un peu dessus. En tant que chrétien, suis-je sensible à l'idée que mon habit peut véhiculer un certain message, théorique? La façon de s'habiller, est-ce qu'on transmet finalement pas un message ou quelque chose de percutant dans la vision de l'autre? Oui, merci. Je pense qu'il est important à retenir, le principe à retenir, que ce soit le vêtement ou toute autre chose, c'est que nous sommes appelés à être, bon, on s'appelle chrétien, hein, donc appelés à être comme Jésus. Et comment est-ce qu'il était Jésus? Bien sûr, amour, il était patient, mais aussi il était très modeste. Et je pense que c'est une qualité que le chrétien devrait avoir, retenir de Jésus. Là, et la modestie, c'est pas simplement en parole, mais notre manière d'être, hein, dans notre caractère. Et ça se reflète après sur notre manière de s'habiller.
notre manière de porter des choses. Et surtout que Jésus a aussi a cette valeur du respect pour respecter l'autre. Ça va quand on est entre jeunes, bon, je dis ça va, je dis non, non, il y a des limites quand même. Mais quand on, par exemple, si je suis là, enfin, on disait à me mettre torse nu, bon, je ne suis pas musclé, mais et qu'il y a la femme d'un ami, et puis après qui se met à s'imaginer plein de choses, je suis une pierre d'achoppement pour cette personne, peut-être, hein. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que nous sommes appelés à faire attention à notre manière de s'habiller. Et à notre manière de faire les choses. Donc, c'est un principe. Et nous voulons tous refléter, porter les valeurs de Jésus, refléter le caractère de Jésus. Et donc, ça se reflète sur notre manière d'être et de se vêtir. Est-ce que vous pensez que dans le monde chrétien d'aujourd'hui, il y a encore des efforts à faire en matière d'habillement? Oui, je pense. Je veux critiquer personne, je veux viser personne non plus. Moi-même, je suis passée par là. Hein. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ben, avec le temps et les expériences, et surtout les personnes que Dieu met sur nos chemins, ben, c'est possible de sortir en fait de toutes ces choses. J'ai envie aussi de rappeler que c'est important de faire attention à sa manière d'habiller, par respect pour soi-même d'abord, enfin, sans parler de religion, hein, par respect pour soi-même d'abord. Et après, quand on comprend qu'on a un créateur, ben, par respect pour celui qui nous a créés et pour les personnes qui nous entourent. Voilà. Kaya, tu veux rajouter quelque chose? Ben, moi, je voulais aussi ajouter le fait que le regard de notre famille aussi, enfin, le regard, comment on dit, évalué. Par exemple, ma mamie, avant de sortir de la maison, quand je m'habille et tout, ben, elle regarde si c'est bien, si je monte pas assez mes épaules, si je monte pas mon dos, si c'est toujours correct, quoi. Et ça, ben, je remercie aussi ma maman pour ses conseils. On remercie ces mamies et ces mamans qui ont ce regard-là, mais des fois, malheureusement, il y a des mamans qui réagissent dans l'autre sens et qui poussent leur enfant des fois à être un peu plus sexy que la normale parce qu'elles n'ont pas compris que ben, ce n'est pas la finalité, quoi. Alors, et les garçons, quel regard portez-vous là-dessus? Alors, je voulais juste dire que pour être, comment on dit ça, pour rester dans ces cadres, dans ce cadre du respect de soi et de l'autre, ça ne veut pas dire qu'il faut être moche, hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier de. Il faut que... Ça veut pas dire qu'il faut être comme. Je sais pas, on est aussi critiqué, hein? Comme les femmes musulmanes là, qui montrent que les yeux, là. Hein? Non, la burqa, voilà, je ne veux pas dire qu'il faut arriver à ce stade-là, hein? Mais la parole de Dieu nous dit que c'est possible d'être beau et belle, des enfants de Dieu. Mais tout en respectant hein, les critères hein, de la simplicité, de la beauté naturelle, de la grâce. Hein. Jésus crossait en sagesse son statut en grâce devant Dieu, devant les hommes. Ça ne veut pas dire qu'il voilà, il faisait tout pour être moche, non. Il prenait soin de son corps, il prenait soin de s'habiller, il était propre, mais il respectait aussi les autres. Hein. Voilà. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Finalement, dans notre manière d'habiller, est-ce que des fois on n'est pas, à défaut de paraître, est-ce qu'on ne met pas notre santé en péril des fois dans des vêtements qui sont peut-être pas trop adaptés à notre démarche, à notre style de vie? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Tehoui? Alors, je ne suis pas docteur, mais je pense que le fait de mettre des choses serrées, hein, on nous dit que la santé, c'est avoir une bonne circulation. Donc, je pense qu'être à l'aise, pouvoir bien bouger, prendre le soleil, etc., c'est des facteurs à prendre en compte. Et aussi bien se couvrir quand il fait frais. Après, à chacun de voir en fonction des cultures aussi. Je pense qu'aujourd'hui, le principe à retenir, c'est que. Un peu comme le grand-père de Hanahe l'a posé, est-ce que je fais, est-ce que je le fais pour ma gloire ou est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Je pense que c'est le principe de base à retenir. Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ma façon de m'habiller va glorifier Dieu? Donc après, à chacun de répondre et selon ce que la Bible nous dit aussi, eh ben, suivre la volonté de Dieu. Voilà, un peu une petite piste parce qu'après, s'il faut définir un peu en détail ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Je pense qu'on va s'emmêler les pinceaux.
On est bien d'accord là-dessus. Voilà, chers amis, nous sommes quasiment arrivés vers la fin de notre discussion de ce matin. Il y a une grande dame qui est malheureusement disparue aujourd'hui, ce n'est pas ma mère, elle disait ceci: le vêtement doit révéler la grâce et la beauté dans la simplicité. Le Christ nous a mis en garde contre l'orgueil de la vie, mais non contre ceux qui ont fait la grâce, la beauté naturelle. Donc, d'une manière générale, nous louons Dieu parce que les femmes polynésiennes ont cette beauté naturelle, elles ne sont pas exubérantes, elles ne se dévoilent pas, elles ont cette pudeur et qui finalement amène un certain respect quand on porte le regard sur ces personnes qui sont autour de nous. Et je veux croire que vous autres qui, de l'autre côté de l'écran, voudriez mettre à profit ces expériences aujourd'hui, on vous a donné quelques pistes. Quelques cheminements. À vous maintenant d'en faire bon usage. Et en tout cas, avec l'équipe Théaratia, on vous souhaite le meilleur, toujours dans cette progression, en s'améliorant tous les jours, petit à petit. Qui c'est qui veut nous unir dans la prière pour terminer? Oui, je veux bien. Et puis, merci encore à tous. Et puis, on se retrouve bientôt. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message qui nous montre l'exemple de cette maman vertueuse, qui est un modèle, qui est un leader dans son foyer et qui prend soin de ses enfants, de son mari, qui est prévenante et qui anticipe les choses. Aussi, aide-nous à être comme cette maman ou ce papa que tu aimes et cet enfant aussi, et à faire attention à notre manière de nous présenter devant toi et devant le monde et que tout soit fait selon ta volonté pour ta gloire. Je prie en nom de Jésus. Amen.